prenais pour quelqu'un qui était au niveau des Polyakov, des gens comme ça, hein, mais il a jamais pu s'y maintenir parce qu'il avait un trop mauvais caractère. Et, c'était l'époque où Manessier, Bazaine, tous ces gens-là commençaient à être très très connus. Hein. Et pour nous, c'était des maîtres à penser, quoi. C'était pas du tout encore abstrait, sauf des gens comme Zévaco qui, lui, sortait du lot. Puisqu'il a travaillé avec Polyakov et Atlan, il était le petit gamin, avec, il avait 18 ans, et il travaillait avec eux, il travaillait pour eux, il faisait leurs affiches à la main. Et ça, c'est, oui, c'est une démarche très forte, même si on ne comprend pas forcément la signification au départ. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a faite, cette fameuse virgule dans cette grande toile, mais en tout cas dans sa tête, il l'avait faite. Il se cherchait sans cesse, et ce qu'il voulait, c'est aboutir au presque plus rien. Sa virgule blanche, en fait.